Dans cette dernière vidéo, nous allons voir comment modifier des congés. Les congés correspondent aux arrondis qu'on applique sur des arêtes. Ici, les congés que je souhaite modifier correspondent aux arrondis que l'on trouve sur la face avant. Ici. La première chose à faire, comme d'habitude, va être de trouver la fonction dans l'arbre de création qui correspond à notre modification. Ici, cette fonction s'appelle congé 3. J'effectue un clic droit sur cette fonction et je choisis éditer la fonction. On retrouve bien les quatre arêtes qui ont été modifiées et sur lesquelles on a appliqué les congés. On retrouve en dessous le paramètre du congé qui correspond à son rayon. Ici, le rayon est de 10. Nous allons modifier cette valeur pour mettre 2 mm. Je saisis 2 et je valide par entrée. J'ai un aperçu de ce que ça va donner. Ça me convient. Je peux donc appliquer les modifications en cliquant sur la coche verte. Mon congé est bien appliqué, mes modifications correspondent à ce que j'attends. Je peux cliquer sur Vue isométrique, puis j'enregistre mon travail.